I have long believed that a society that stops exploring is a society that stops progressing. This program is the bridge to the future for human spaceflight. What happened in this last year is truly phenomenal. Space Station today is the largest and most capable space station ever flown. The Soyuz rocket beginning the first expedition to the International Space Station and setting the stage for permanent human presence in space. Merci de m'accueillir une fois de plus ici. Habituellement, les conférences précédentes étaient plus dans mon domaine de spécialité qui est l'observation de la Terre et en particulier tout ce qui tourne autour du climat et du changement climatique. Cette fois, j'ai pris un peu de distance avec ma collègue, mon ancienne collègue Arlène Amar, qui, elle, était responsable au CNES des programmes d'exploration planétaire et puis ensuite des programmes d'hommes dans l'espace, de sciences de la vie dans l'espace. Et on a écrit ensemble un livre qu'on voulait appeler « L'exploration planétaire au carrefour de la science et de la politique ». Alors, le titre n'a pas plu à l'éditeur. C'est toujours comme ça avec les éditeurs. Ils estiment que c'est eux qui choisissent les titres des livres. Donc, ils ont dit « Planétaire, c'est pas vendeur ». On veut exploration spatiale. On va pour exploration spatiale. Et ici, j'ai vu sur les affiches qui sont collées autour du marché que ça s'appelle maintenant l'espace au carrefour de la science et de la politique. Alors là, c'est un sujet beaucoup plus vaste que je ne discuterai pas ici. Donc on va se borner à l'exploration spatiale et tout particulièrement planétaire. Alors planétaire, ça veut dire le système solaire qui est représenté ici de manière un petit peu poétique. Et puis un tout petit peu plus réalistement, même si les distances et les échelles ne sont pas complètement respectées, évidemment, par ce que vous voyez là, avec les quatre planètes telluriques, les plus proches du Soleil, puis les géantes gazeuses, et puis d'autres petits corps qui tournent autour du Soleil, et notamment Pluton, qui s'est fait déchoir du titre de planète il y a quelques années par l'Union Astronomique Internationale, aux grandes dames des Américains. Alors, on va faire ce soir, comme l'a dit Bruno, non pas de la grande science, mais plutôt un peu de l'histoire de l'exploration spatiale, de la conquête spatiale, de l'histoire et puis des histoires. Je vais vous raconter pas mal de petites choses autour de tout ce qui s'est passé depuis 55 ans, à peu de choses près. Alors, l'espace, ça a commencé à l'occasion de l'année... Géophysique internationale en 1957-58, les Russes s'y étaient engagés et ils l'ont fait. Ils ont lancé en octobre 1957 le premier satellite artificiel de la Terre, Sputnik 1, qui était juste une boule de métal de 83 kg qui faisait bip bip, 58 cm de diamètre. Et le bip bip a immédiatement conquis l'attention du public, mais ça faisait rien d'autre. Et bon, le satellite qui aurait dû être lancé aurait dû certainement apporter quelque chose dans la connaissance de la Terre, mais ce n'était pas le cas. Moins d'un mois plus tard, deuxième Spoutnik, 500 kg, et avec même à bord un animal, la chienne, qui est passée dans l'histoire, la chienne Laïka. Alors, du côté américain, les personnes s'attendaient à ce que les Russes lancent aussitôt, et ils ont fait des pieds et des mains pour lancer... un satellite, ils ont commencé par rater, et puis le 31 janvier 1958, ils ont pu lancer le premier satellite qui s'appelle Explorer, qui pesait 14 kg, une petite boule, on l'appelait Pamplemousse, donc sans commune mesure avec la masse que les Russes avaient été capables de satelliser. Alors 1958, c'est aussi l'année où le Conseil international de la science, qui s'appelait à l'époque Conseil international pour les unions scientifiques, a créé le COSPAR. Alors, je vais vous dire deux mots du COSPAR. C'est un comité scientifique international qui a été créé essentiellement pour permettre un dialogue scientifique entre
les Soviétiques et les Américains. On était en pleine guerre froide, donc, et il était hors de question que les scientifiques russes et les scientifiques américains se rencontrent, échangent, et puis puissent éventuellement coopérer d'une certaine manière. Alors, le Comité international pour la science, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, j'aimerais bien qu'il sorte, a pensé qu'il fallait créer une plateforme dans laquelle ces gens puissent se rencontrer. Et du coup, ça devait durer un an, ce comité, et puis depuis 1958, donc ça fait assez longtemps et c'est toujours là, ça fonctionne. Et actuellement, le COSPA rassemble 46 pays membres. Il y a plus de 8000 chercheurs qui ont participé à l'une ou l'autre des activités du COSPAR, qui sont essentiellement des grandes assemblées scientifiques qui rassemblent 3000 chercheurs de par le monde. La prochaine aura lieu à Moscou au mois d'août 2014. Un symposium, des colloques, des ateliers de formation, des publications, etc. Et le COSPAR est maintenant le lieu privilégié choisi par les Américains pour rencontrer les Chinois, puisque légalement il est interdit de coopérer avec les Chinois pour des Américains aujourd'hui. Et le COSPAR retrouve sa vocation première de plateforme de coopération internationale. Alors je reviens à l'histoire. Premier vol humain dans l'espace, c'est encore un russe, le 12 avril 1961. Je m'en souviens encore avec un petit transistor collé à l'oreille. Un vol de 108 minutes en orbite autour de la Terre. Vous avez là la pochette d'un petit 45 tours qui était en vente à l'exposition russe au palais de la Porte de Versailles cette année-là. Et puis, Alan Shepard a suivi un mois après, même pas trois semaines, mais il ne s'agissait pas d'un vol réellement en orbite autour de la Terre, mais simplement un vol suborbital avec une durée de 15 minutes, avec seulement 3 minutes en micro-pesanteur. Donc la course dans l'espace se poursuivait, avec toujours un avantage du côté soviétique. Alors, peu après, en 1962, le jeune président américain John Kennedy a fait cette déclaration que vous avez tous certainement pu voir ailleurs, qui dit que nous choisissons d'aller sur la Lune dans cette décennie et de faire d'autres choses encore, non parce que c'est facile, mais bien parce que c'est difficile, parce que ce but servira à organiser et mesurer le meilleur de nos énergies et de nos savoir-faire, parce que c'est un défi que nous sommes prêts à relever, que nous ne voulons pas remettre à plus tard, et que nous avons l'intention de gagner, et les autres aussi. Alors, on voit bien qu'ici encore, de manière très nette, c'est le politique qui décide de ce qu'il y a lieu de faire dans le domaine spatial. Ce n'est pas les scientifiques qui souhaitaient aller sur la Lune. Parmi les options de grandes initiatives qui avaient été proposées à Kennedy, il y avait entre autres envoyer des hommes sur la Lune, et c'est ce qu'il a choisi, alors qu'il n'y avait aucun programme scientifique à l'appui de ce projet. Du côté russe, ils n'avaient pas aussi oublié cette idée. Et au début, la compétition de la course à la Lune était plutôt à l'avantage de l'URSS. En 1959, il y avait eu déjà une sonde, Luna 3, en orbite autour de la Lune qui avait pris des images de la face cachée. De 70 à 76, il y a eu plusieurs sondes soviétiques qui ont ramené des échantillons de sol, ça se comptait en dizaines de grammes, en centaines de grammes, et une partie avait déjà d'ailleurs été remise à des chercheurs français qui ont acquis une compétence dans le domaine de l'analyse de ces échantillons. La coopération avec les Russes allait plus loin que ça, puisqu'il y a eu aussi deux véhicules, Lunarhod 1 et 2, qui ont été déposés des réflecteurs laser français sur la Lune, qui ont été réalisés par le CERGA à Graz, et qui servaient pour des expériences de géodésie et de mesure de la distance Terre-Lune. Bon, malheureusement, le programme lunaire habité russe a tourné court. Ils avaient mis au point un lanceur géant, la fusée N1, dont vous avez des images ici. Il y a eu 4 tirs et les 4 tirs ont échoué entre 69 et 72, donc ça n'est pas allé plus loin. Bon, et enfin, Apollo 11, le programme Apollo donc lancé par Kennedy, avec la fameuse formule « un petit pas pour un homme ». Un bond de géant pour l'humanité. C'est une phrase qui a donné lieu à beaucoup d'exégèses, selon qu'on l'interprétait comme un petit pas pour l'homme ou pour un homme, c'est-à-dire Neil Armstrong lui-même. Alors, donc les États-Unis ont pris le dessus dans la course à la Lune et enfin réussi à montrer que leur système, puisque c'est à ce niveau-là que cette comparaison se faisait, le système américain l'emportait sur le système soviétique.
Alors, sur ce programme Apollo, il y a eu 6 équipages américains au total qui ont marché sur la Lune. Dans le programme, il était prévu de lancer 20 sondes, 20 vaisseaux, et puis, en fait, ça s'est arrêté à Apollo 17, qui a été le dernier vol effectué. Et dans ce vol, parmi les astronautes, il y avait un géologue qui ramenait 100 kilos de roches. Là, donc, on situe plusieurs ordres de grandeur au-dessus des quantités de matériaux ramenés de la Lune par les Russes. Mais comme c'était un géologue, il n'a pas pris ses échantillons au hasard, il les a choisis avec le plus grand soin, et c'était de loin la mission la plus riche. On était en pleine guerre du Vietnam. L'effort américain consacré au programme Apollo, on reviendra sur ces questions vers la fin, atteignait jusqu'à 4% du budget fédéral. C'est un chiffre absolument énorme, et il a fallu naturellement l'interrompre, parce que les dépenses liées à la guerre du Vietnam rendaient impossible la poursuite de ce programme. Plus récemment, George Bush, le fils, voulait relancer la course à la Lune, et puis le président actuel Obama, pour l'instant au moins, y a renoncé. Jusqu'ici, on était dans le mode de la compétition et de l'affrontement pacifique transposé dans l'espace entre les deux systèmes soviétiques et américains. Et puis, en 1975, il y a eu un vol conjoint, Apollo-Soyouz, avec une poignée de main historique qui a été retransmis en direct dans le monde entier, ce qui était complètement unique à cette époque-là. On apprenait les choses après qu'elles aient eu lieu la plupart du temps. Alors, ce qui est intéressant, c'était qu'il y a eu quand même beaucoup de diplomatie autour de ce vol Apollo-Soyouz, parce que pour les faire se connecter, il fallait qu'il y ait un élément mâle et un élément femelle. Et naturellement, ça posait des difficultés diplomatiques pour savoir qui allait l'être. Bon, je n'insiste pas. Alors, jusqu'à ce moment-là, on n'a parlé que des Américains et des Russes dans l'espace. Et puis, ça n'est pas resté uniquement le domaine réservé, l'apanage de l'URSS et des USA. En France, le général de Gaulle a créé dès le mois de décembre 1961 le Centre national d'études spatiales avec 3 personnes clés. Le président qui était un scientifique, Pierre Auger, qui avait étudié des gerbes dans l'ionosphère, qui ont pris leur nom. Le général Aubinière, qui s'est montré un remarquable organisateur de la future agence spatiale, qui au début, il pensait n'en faire qu'un petit bureau d'études, et c'est devenu petit à petit une véritable agence. Et puis le professeur Jacques-Émile Blamont, les deux précédents sont décédés. Le professeur Blamont est toujours actif, il a plus de 80 ans, il est le conseiller scientifique à vie du CNES, et toujours brillant, toujours plein d'idées et d'imagination. Alors, le CNES a su, à cette époque-là, apprendre à la fois de la NASA et des Russes. Alors, il y a eu un bon nombre d'ingénieurs du CNES qui sont partis aux États-Unis, qui ont passé une année à apprendre les techniques spatiales au Centre spatial Goddard de la NASA, près de Washington. Et puis, la politique ne s'éloigne jamais de tout ce que je vous raconte. Le président de Gaulle s'est rendu à Moscou en 1966, et il a signé, pour ceux qui se souviennent, on voit derrière lui le ministre Couve de Murville, il a signé un accord de coopération entre la France et l'URSS dans le domaine spatial. Et ça a été quelque chose qui a été absolument déterminant pour le développement spatial en France et puis au-delà en Europe, parce que c'est grâce à cette coopération que les Français ont eu accès aux techniques les plus avancées, ont pu lancer à très bon marché des instruments et puis ensuite des hommes ou des femmes dans l'espace, comme le disait Blamont, sur le dos du contribuable russe. Bon, et puis, un peu plus tard, l'Europe a commencé elle aussi à essayer de mettre ensemble ses forces dans le domaine spatial. La France avait pris l'initiative, pris les devants. La Grande-Bretagne n'était pas restée inactive. Et tous ces pays-là avaient bien entendu bénéficié, et les États-Unis aussi bien sûr, de la récupération des ingénieurs de l'équipe de von Braun après la défaite de l'Allemagne nazie. Et aussi bien en France, à Brétigny, qu'en Allemagne, qu'en Angleterre,
pas tellement en Allemagne, en Russie, aux États-Unis. Beaucoup d'ingénieurs qui avaient travaillé avec von Braun se sont retrouvés et ont transmis leurs connaissances sur le développement de la fusée V2. Et la première fusée française, Véronique, était une petite sœur des V2 allemands. Alors, les Européens n'ont pas réussi à se mettre complètement d'accord dès le début et ils ont créé deux organisations, une pour le développement des lanceurs, ce qui s'appelait ELDO, et une pour le développement des satellites, qui s'appelait ESRO. ELDO, ça a été une catastrophe totale. Je crois qu'il y a eu 11 ou 12 lancés de fusées à partir d'une base de Woomera en Australie, toutes, pour l'essentiel, des échecs, des explosions au lancement, tandis que l'ESRO a été relativement couverte de succès dans ses constructions de satellites scientifiques. Alors finalement, après pas mal de négociations, l'Agence spatiale européenne, l'ESA, a été créée en 1975, avec, encore comme toujours en Europe, pas mal de bras de fer sur quels étaient les programmes prioritaires. Et la France est arrivée avec un projet qui s'appelait L3S, qui était un projet de lanceur. Et c'est ce projet de lanceur qui a donné l'essence ensuite à la fusée Ariane et ses différentes générations. Alors, au-delà des premiers vols humains, qui étaient des vols courts, il y a eu petit à petit l'idée d'installer de façon plus durable des objets dans l'espace qui puissent être habités et procéder à des missions de plus longue durée. Alors, les premières stations habitées étaient russes. Il y a eu 7 stations qui s'appelaient Salyut, qui ont fonctionné de 1971 jusqu'à 1991 pour la dernière, et qui ont accueilli des équipages en très grand nombre, 35 équipages, des durées qui ont atteint jusqu'à presque 8 mois, 237 jours. Il y a eu la mini-station internationale Apollo-Soyuz, qui a duré le temps de 24 heures ou à peine plus. Et puis, du côté américain, il y a eu le Skylab, qui était un bricolage fait à partir d'éléments restants du programme Apollo, et qui a duré pendant 6 ans, mais qui n'a accueilli que 3 équipages et des durées relativement courtes, ne dépassant pas un peu moins de 3 mois. Alors, changement de portage dans le domaine des lanceurs. Jusque-là, on fonctionnait avec des lanceurs non récupérables, c'est-à-dire une fois la fusée lancée, elle retombait, puis c'était fini. L'idée avait germé dans le cerveau fertile d'un certain nombre d'ingénieurs d'utiliser un lanceur récupérable, ou en tout cas récupérable pour une bonne partie. Et c'était l'idée de la navette spatiale qui a été vendue au président Nixon comme le camion de l'espace avec lequel on allait pouvoir en transporter des charges utiles, des individus dans l'espace, les laisser, les ramener, et puis recommencer autant de fois qu'on voulait, et tout ça pour un prix absolument dérisoire. Donc là, vous avez quelques images. En fait, ça ne s'est pas passé aussi bien que ça. Il y a eu 2 accidents assez catastrophiques, parce que comme l'habitude américaine est de faire toutes les choses de manière extrêmement ouverte, au grand jour, c'est en direct que les gens ont assisté à l'explosion le 28 janvier 1986 de la navette Challenger, qui transportait plusieurs astronautes, dont une institutrice qui devait animer des expériences dans des classes, dans des écoles, et tout ça est parti en fumée en l'espace de quelques secondes. Et puis, quelques années plus tard, alors quand cet accident s'est produit en 1986, il n'y a plus un seul lancement de la NASA pendant plusieurs années. Tout a été bloqué pendant 3 ans, le temps de surmonter le choc psychologique ressenti à la fois par les ingénieurs et par la population. Alors, il y avait des défauts de conception à l'origine de ce problème. Il n'y avait pas de capsule séparable de la navette, donc il a fallu la modifier complètement, et ça a pris des années. Mais il y a eu d'autres problèmes. C'était au moment de la rentrée de Columbia en 2003, où une partie des tuiles qui servent de bouclier thermique s'est détachée, et puis l'engin a explosé. Et vous avez dans un hangar ici une espèce de puzzle avec tous les petits morceaux qui ont été récupérés sur tout le long de la trajectoire sur le territoire américain. Bon, alors ça, c'était le mauvais côté. Puis il y a les coûts prohibitifs. En fait, le coût de chaque lancement de navette était absolument désastreux, terriblement coûteux pour la NASA,
pour le budget américain. Et donc il est venu un moment où il fallait y mettre fin. Ceci étant, il y a eu aussi des exploits admirables. Les plus connus sont par exemple la réparation en orbite du télescope spatial Hubble en décembre 1993. Et puis la participation de la navette à la construction de la Station Spatiale Internationale, un énorme puzzle là aussi, monté dans l'espace avec beaucoup de lancements, beaucoup de navettes, beaucoup de sorties extravéhiculaires. Alors l'URSS aussi a tenté l'histoire de la navette, et il y a eu en 1960 une décision prise par Brejnev en 1976 de construire une navette qui s'appelait Buran, ce qui veut dire tempête ou ouragan, quelque chose comme ça en russe, et le tout posé sur un lanceur surpuissant, Energia. Et cette navette n'a volé qu'une seule fois en novembre 1988, et elle était en mode automatique, il n'y avait aucun pilote à bord, ce que les Américains n'avaient jamais fait. Ils ont décollé, ils se sont posés, ils sont rentrés, enfin l'engin est rentré avec personne à bord, entièrement en automatique. Alors ça a coûté très très cher et ça n'a servi qu'une seule fois. Il y avait deux exemplaires qui ont été construits et puis sont restés dans des hangars. Et je crois qu'il y en a un qui existe quelque part dans un musée d'exposition et l'autre qui a été détruit par l'écroulement du hangar. Alors en Europe, on a voulu aussi jouer à envoyer des hommes dans l'espace, mais comme on n'avait pas de moyens de les lancer, il fallait passer un contrat avec quelqu'un qui veuille bien les y emmener. Alors les Allemands ont voulu à tout prix construire un bidon qui s'appelait le Space Lab, destiné à rentrer dans la soute de la navette et à fonctionner pendant un moment en orbite. Alors ça coûtait un argent fou à construire ce truc-là. Les Français n'en voulaient pas, mais comme il fallait trouver un accord, la France a accepté de payer 10% du programme, alors que l'Allemagne en a payé 55%. C'est à peu près l'inverse de ce qui se passe avec Ariane, où la France supporte plus de la moitié du coût. Ça a volé 16 fois. Le premier vol était gratuit, et pour tous les autres, il a fallu payer au prix fort le passage dans la navette auprès de la NASA. Si quelqu'un est capable de me donner un seul résultat scientifique obtenu avec Space Lab, j'en serais ravi. Bon, et puis les Européens ont aussi voulu jouer à fabriquer une navette. Ça s'est appelé Hermès. Il y en a eu des dizaines et des dizaines de versions. Alors si vous voyez l'échelle qui est donnée par le petit bonhomme à droite, ça c'est une des versions à un moment donné. Il s'avère que on a voulu faire quelque chose de beaucoup plus petit que la navette américaine. Les gens s'étaient beaucoup étonnés que la navette américaine et la navette russe étaient de taille extrêmement voisine, à très très peu près, de forme très très voisine. Et il y a des bonnes raisons pour ça. Ce sont des raisons de structure, des raisons de thermique, des raisons de résistance des matériaux. Et dans la plupart des versions de Hermès qui ont été conçues par les ingénieurs, on avait une charge utile négative, c'est-à-dire que il était impossible d'embarquer quoi que ce soit à bord, et surtout pas des astronautes. Ce qui est quand même fâcheux. Alors, il y a des raisons pour ça. Par exemple, on ne sait pas, il n'y a pas d'insectes plus grands qu'une vingtaine de centimètres de long. S'ils étaient plus grands que ça, ils se casseraient avec le genre de matériaux qu'ils utilisent. Ou autre exemple, un bébé est incapable d'assurer son contrôle thermique parce que sa surface est trop importante par rapport à son volume. Il n'y a qu'à l'âge adulte qu'on a un rapport surface-volume qui permet d'assurer le contrôle thermique. Donc si on fait une navette trop petite, ça ne marche pas. Bon, alors, revenons aux stations. Un des plus beaux modèles, ça a été la station Mir. Mir, ça voulait dire la paix et le monde. En même temps, en russe. Oui, on a toujours un arrière-plan politique derrière tout ce qu'on voit là. Alors, il y a eu 103 cosmonautes qui ont volé sur la station Mir pendant une quinzaine d'années, 62 non-russes, c'est-à-dire plus de la moitié, et il y a eu 5 Français, dont Jean-Loup Chrétien, premier cosmonaute français. Et puis, après l'écroulement de l'URSS en 1989, les Américains ont décidé de participer au programme en attendant de mettre en place une autre station internationale. Et il y a eu plusieurs vols, 9 vols en commun entre la navette spatiale, le shuttle, qui venait se connecter
à la navette et qui apportait de l'équipage et puis du matériel. Et donc ça, ça a eu pendant 4 ans une manière d'aider l'URSS à maintenir ce système spatial en fonctionnement à un moment où tout le reste était en train de s'écrouler. Bon, alors la Station Spatiale Internationale, ce qu'on appelle aussi l'ISS. Au début, c'était un projet américain qui s'appelait Freedom. De nouveau, un message politique assez fort. Il s'agissait de mettre en évidence les États-Unis comme le drapeau de la liberté. Et puis, les choses ayant évolué, l'URSS étant dissoute, c'est devenu la Station Spatiale Internationale, ce qui est plus convivial, disons. Alors là, on a des images où on voit des astronautes américains et européens qui participent à la construction de la station. Ils ont l'air d'être la tête en bas, mais c'est sans grand intérêt pour eux. Et puis on a ici aussi une image de la navette installée sous la station à un moment où le cosmonaute européen Paolo Nespoli, un Italien, rentrer sur Terre dans une capsule Soyouz. Donc là, on a un exemple de coopération internationale qui s'est nettement élargie. Alors, c'est un programme absolument fabuleux. Ça pèse 450 tonnes, la station spatiale. Ça mesure 110 mètres de long, 70 de large, 1200 mètres cubes de volume pressurisé, 6 occupants au maximum en permanence. Et c'est une copropriété. Alors, comme dans toutes les copropriétés, il y a des tantièmes. Et il y a toujours des problèmes dans les copropriétés. Hein. Et il y a aussi des problèmes de fuite d'eau et de compagnie, un truc de ce genre-là. Alors, c'est une copropriété extraordinairement chère. On estime, mais c'est un chiffre que personne n'est capable de justifier de manière comptable, à 150 milliards de dollars sur 30 ans, le coût de la construction et de l'exploitation de ce bazar sur 30 ans. Donc. Et en gros, a été fournie par la Russie, et deux tiers par le reste du monde, dont les trois quarts de ces deux tiers par les États-Unis, 8% pour l'Europe, 12% pour le Japon. Mais la coopération internationale s'arrête quand même à un certain point, et les Chinois et les Indiens ont été exclus de ce programme. On va voir que ça les laisse pas totalement indifférents. Plus récemment, l'Europe a construit un véhicule de transport de fret, une espèce de camion, qui s'appelle l'ATV, qui ravitaille la station. Il arrive avec un chargement. Il y a beaucoup d'eau, beaucoup d'oxygène, beaucoup de nourriture, de carburant, d'instruments éventuellement. Et puis, il récupère les déchets et descend se détruire dans l'atmosphère. Ça fait un peu de peine de penser que Jules Verne, Johannes Kepler, Eduardo Almaldi et Albert Einstein partent en poussière à chaque fois avec des ordures. Bon, alors, ça a été les 50 premières années du développement de la conquête spatiale, avec un pays leader, les États-Unis, un autre pays leader, la Russie, et puis un certain nombre d'outsiders qui essayent de courir un peu derrière, mais qui ont du mal à les rejoindre. Et on ne parle pas du reste du monde, la Chine, l'Inde, ça existait pour ainsi dire pas. Alors maintenant, on est à une période complètement charnière. Cet équilibre est en train de se renverser complètement et dans quelques années, on aura un équilibre des forces totalement différent. Les cartes sont complètement redistribuées. Du côté américain, ils sont, même s'ils sont un peu moins touchés par la crise que l'Europe, par exemple, ils n'ont pas renoncé à conserver un certain leadership, en particulier tout ce qui concerne les missions lointaines. Ils ont changé d'avis sur la Station Spatiale Internationale. Ils avaient décidé de s'en retirer. Et puis finalement, le président Obama a annoncé qu'il continuerait au moins jusqu'en 2020, ce qui est, il est même probable que ça ira encore un peu au-delà, parce qu'on aura du mal à se séparer de l'objet, d'arrêter de l'utiliser, s'il fonctionne encore. Et puis, il y a un changement de philosophie aussi. Jusqu'ici, la NASA s'était réservé le monopole des vols pour des vols habités. Et maintenant, la décision a été prise de confier au secteur privé. Il y a deux compagnies qui sont mises en concurrence pour fournir des lanceurs capables d'emmener des vols habités dans l'espace. Du côté de l'Europe, il y a aussi des changements importants. D'une part, jusqu'ici, l'Europe
c'était l'Agence spatiale européenne pour les satellites scientifiques ou les satellites d'observation de la Terre. Et pour les satellites météorologiques, c'est une agence spéciale qui s'appelle le MEDSAT. Mais pour tout ce qui est exploration, c'est l'ESA. L'ESA, ce n'est pas l'Europe au sens politique du terme. C'est un accord intergouvernemental entre un certain nombre de pays qui ne sont pas les mêmes que les 27 pays de l'Union européenne. Et donc, il y a toujours une tension entre l'Union européenne et l'Agence spatiale européenne, qui obéit à ses propres règles, qui est un mécanisme financier. Chaque pays cotise, il y a un programme obligatoire, il y a des programmes optionnels, et l'argent que chaque pays met dans l'Agence spatiale européenne est censé être dépensé dans son pays. C'est ce qui s'appelle la règle du retour géographique. L'Union européenne, ça ne marche pas du tout comme ça. Et donc il y a un peu de difficulté, et dans le traité de Lisbonne, il y a quelque chose qui s'appelle la compétence partagée. L'espace devient une compétence partagée entre l'Union européenne et les États. C'est quelque chose qui peut avoir des implications. Pour l'instant, elles sont limitées parce que le traité dit que si les États ne le souhaitent pas et souhaitent s'occuper eux-mêmes des affaires spatiales, l'Union européenne n'intervient pas. Mais si un jour cette situation évoluait, on pourrait s'attendre à des choses assez bizarres. Alors, on a aussi un élargissement des possibilités en Europe avec le fait que Ariane s'agrandit, il y a la famille Ariane classique avec Ariane 5 maintenant, et puis dans l'avenir, depuis la conférence de novembre 82, un nouveau lanceur, Ariane 6, plus puissant et théoriquement plus économique, c'est ce qu'ils nous disent à chaque fois. Et puis, il y a un plus petit lanceur, Vega, qui est capable de lancer des petits satellites d'une tonne. Et puis, il y a aussi l'arrivée du Soyouz, qui a été adapté pour pouvoir être lancé depuis Kourou par les équipes d'Ariane Espace. Donc maintenant, l'offre de lancement européenne s'est largement élargie, nettement élargie. Et puis, il y a enfin le fait que dans le domaine de l'exploration, l'Europe a quand même, même si je suis de temps en temps un petit peu ironique, accumulé pas mal d'expériences très positives, Giotto, la sonde Huygens, on y reviendra, Mars Express, Vénus Express, dans l'avenir, on espère ExoMars. Il y a 20 pays membres et tous ces pays montrent des capacités qui font que l'Europe peut être un partenaire de l'exploration. Alors, ce dont on n'a pas encore beaucoup parlé, les Japonais. Le Japon a été, après les États-Unis, la Russie, les États-Unis et la France, le quatrième pays à mettre un satellite en orbite en 1970. Ils ont un programme spatial très complet, très indépendant. Ils ont leur propre lanceur, ils font leurs satellites et ils participent de temps en temps à quelques coopérations. Et ils ont aussi une belle participation à la Station spatiale internationale avec un module qui s'appelle Kibo, qu'ils ont entièrement réalisé et livré. Et puis ils ont, dans le domaine de l'exploration, pas mal de missions très diversifiées. Ils ont envoyé des sondes vers le Soleil, la Lune, Jupiter, Mercure, etc., Vénus. Et ils ont même envoyé une sonde sur un astéroïde qui a ramené sur Terre des poussières de cet astéroïde. On a mis assez longtemps avant de savoir si ces poussières, c'était bien des poussières qui venaient de l'astéroïde ou du désert d'Australie où ça s'était posé. Mais bon, l'ambiguïté a été levée. Les Chinois, alors, eux ont été le cinquième pays à accéder à l'espace, en 70 aussi, un mois après le Japon. Et eux aussi ont un programme spatial très complet et indépendant, une famille de lanceurs très complète et qui marche extrêmement bien, et qu'ils commercialisent d'ailleurs, et des vols humains. Vous avez ici ce qu'on appelle les taïkonautes. Quand c'est des Russes, c'est des cosmonautes. Quand c'est des Européens, c'est des astronautes ou des Américains. Et quand c'est des Chinois, c'est des taïkonautes. Mais c'est pareil. Donc elle a aussi développé son propre programme de station spatiale habitée, et d'exploration spatiale, etc. Alors le jeu pour l'instant pour la Chine consiste à dire tout ce que vous avez fait, je vais le faire, je vais le refaire, je vais le faire aussi bien et beaucoup plus vite. Ça sert peut-être à rien de refaire des choses qu'on a déjà faites puisqu'on n'apprend rien de très nouveau dessus, mais par contre je suis capable et vous ne pourrez plus vous faire l'impasse sur nous, et dans les prochaines étapes de la conquête spatiale, si prochaines étapes il y a, nous serons un partenaire incontournable. Donc c'est en train de se mettre en place petit à petit et ils font énormément de choses. L'Inde a adopté un point de vue un petit peu différent, d'abord parce que c'est un pays qui a un niveau de vie encore plus bas,
et qui, tout en ayant été le sixième pays spatial, avec un premier satellite en 1975 et puis un lanceur construit par eux-mêmes en 1980, qui lui aussi fonctionne très très bien. Ils ont toute une famille, PSLV, GSLV, qui lance des satellites de toute taille jusqu'au géostationnaire. Ils ont mis la priorité sur la satisfaction des besoins de la société indienne, donc tout ce qui est observation de la Terre, observation des risques naturels, télécommunications, télévision directe, tout ce qui s'ensuit, mais pas tellement sur l'exploration. Et ils n'ont pas l'intention, semble-t-il, aujourd'hui, de se lancer dans le vol humain dans l'espace, qui est quand même beaucoup plus risqué et énormément plus coûteux. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont en train aussi d'entrer plus dans le jeu de la coopération scientifique internationale. Jusqu'ici, on savait qu'il y avait des satellites indiens, mais on n'avait pas toujours accès à leurs données. L'image en bas, ça doit représenter le satellite Mégatropique, qui est un projet franco-indien qui s'intéresse à la mousson indienne notamment et à tout ce qui est bilan radiatif et bilan d'énergie dans les régions tropicales, et qui a été lancé, qui fonctionne, et dont les données sont distribuées et accessibles au reste du monde. Donc progressivement, il y a une intégration des travaux de nos collègues indiens dans le reste du monde. Et enfin, la Russie. Alors, après l'effondrement de 1989, il y a eu 10 ans de convalescence totale. Au moment de la chute de Gorbatchev, il y avait des astronautes à bord d'une station russe, et ils étaient un peu angoissés sur ce qui allait se passer. Et ils sont restés pendant un moment dans l'incertitude, est-ce qu'on allait encore se souvenir qu'ils étaient là-haut ? Bon, alors ça s'est bien passé. Les Russes ont loué leurs installations, ils ont mis leurs lanceurs au service de la communauté mondiale. C'est avec Soyouz aujourd'hui qu'on est capable d'envoyer des astronautes dans l'espace, puisqu'il n'y a plus de navette et qu'il n'y a aucun autre engin fonctionnel qui puisse le faire. Naturellement, il y a aussi beaucoup d'échecs, parce que 10 ans ou 15 ans d'interruption, ça veut dire beaucoup de gens qui sont partis, qui se sont expatriés, ou qui ont changé de métier, ou qui sont partis à la retraite, et une perte de compétences et de transmission de savoir et de savoir-faire entre les générations, qui fait qu'il y a eu de nombreux échecs. Vous avez probablement vu l'échec d'un lanceur Proton il y a quelques semaines, qui s'est mis à trembloter puis qui a piqué droit vers le sol. Il y a eu avant ça, il y a 2 ans, l'échec de la sonde Phobos Grunt qui devait aller aller autour de Mars et étudier le satellite Phobos. Voilà, tout ça, ça a été des petites catastrophes dont on peut assez facilement trouver la cause dans cette perte de moyens pendant 10 à 15 ans. Bon, on a fait un bon panorama. Je vais maintenant vous parler un petit peu de tous les outils dont on dispose pour faire ces travaux, ces recherches. D'une part, pour faire toutes ces explorations, on a besoin d'antennes qui observent l'espace lointain. Nous, en Europe, il y a une antenne, par exemple, qui se trouve en Espagne. Il y a tout un réseau de surveillance de l'espace lointain américain, le Deep Space Network, qui possède des antennes qui permettent d'aller suivre des sondes jusqu'à pratiquement les confins du système solaire. Tout ça, ce n'est pas fait sans laisser beaucoup de papier gras et de canettes de Coca-Cola derrière soi. Donc les débris spatiaux en orbite terrestre sont devenus un sérieux problème. Là, il y a une simulation qui vous montre un peu quelle peut être la densité en orbite basse, c'est-à-dire vers 800 à 1000 km d'altitude des objets de taille supérieure à 1 mm ou 1 cm, peut-être c'est sur celle-là, je ne sais pas, autour de la Terre. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'on a un phénomène d'entraînement. Chaque fois qu'un objet de cette taille rencontre un satellite, ça crée un énorme tas de déchets supplémentaires, donc ça augmente la probabilité d'une nouvelle collision. Et selon les statisticiens, dans 50 ans, ça ne sera plus la peine d'envoyer des satellites puisqu'ils se feront bombarder à peine arrivés sur place. Donc il faut se considérer que la ressource mondiale que représente la possibilité de lancer des satellites en orbite basse, qui est une orbite absolument essentielle pour regarder ce qui se passe par exemple sur la Terre, mais aussi pour mettre des gens dans l'espace, dans des stations, si on continue de trouver ça intéressant, on est en train de gaspiller cette ressource, elle ne sera plus disponible pour les générations futures. Vous voyez, il y a beaucoup de problèmes. Bon, on a des laboratoires pour étudier les météorites martiennes, quand il veut bien tomber toute seule sur Terre, et puis on a
des échantillons qu'on peut ramener d'ailleurs, des vrais cette fois, et qu'on peut examiner. Là, c'est des gens qui sont allés récupérer la capsule de la sonde japonaise Hayabusa dans le désert australien. Alors, vous voyez, ils sont enveloppés dans des scaphandres, parce que si vous avez lu les œuvres de H.G. Wells, La guerre des mondes, vous savez qu'on peut se méfier de germes qui pourraient venir d'autres planètes et qui pourraient nous contaminer. Donc, il y a tout un tas de travaux qui sont faits pour, d'une part, éviter d'aller contaminer d'autres objets célestes quand on envoie des sondes, et inversement, si on en ramène des choses, il y a des règles très, très, très strictes pour éviter d'éventuellement récupérer des saletés dont on n'a pas vraiment besoin. Bon, pour étudier ce qui se passe en micro-pesanteur, on a beaucoup d'outils. En France, on a une caravelle qui a été, un Airbus maintenant, pardon, qui a été équipé pour faire des expériences en vol, pendant lesquelles on fait des espèces de paraboles, pendant lesquelles on dispose d'une vingtaine de secondes de microgravité. Il y a tout un tas d'outils qui permettent d'obtenir des conditions de micro-pesanteur de durée très variée. Il y a des tours en chute libre qui donnent quelques secondes, l'avion qui donne une vingtaine de secondes, des fusées sondes quelques minutes, la navette quand elle existait ou d'autres engins de ce genre-là, des capsules quelques semaines ou quelques mois éventuellement, et puis la station spatiale pendant très longtemps. Et puis, pour envoyer des gens dans l'espace, il faut les entraîner pas mal, d'abord en piscine, par exemple, comme là-haut, en haut à gauche. Il faut s'assurer qu'ils ne vont pas être trop sujets au mal de l'espace, donc on les fait tourner dans des centrifugeuses. Je ne vous raconte pas la tête qu'ils font quand ils sortent. Et puis, quand ils sont dans l'espace, la plupart du temps, ils l'occupent à faire des expériences sur eux-mêmes pour vérifier dans quel état de santé ils sont. C'est une espèce de science qui se mord la queue, l'étude de la médecine spatiale. C'est-à-dire qu'on envoie des gens, on ne sait pas pourquoi ils ne se portent pas bien, donc on étudie, puis on continue de les renvoyer pour comprendre. Voilà. Et d'ailleurs, pour voir, vous voyez en bas à droite, une image qui avait été prise par ma co-auteur, Arlène Amar, de Claudie Aigneret, à la sortie d'un vol Andromède, je crois que c'était la mission Andromède, dans le désert du Kazakhstan. Elle a l'air de sourire comme ça, mais le type qui est juste à côté d'elle, c'est un médecin qui lui prend l'attention parce qu'elle se sent vraiment pas bien. Bon, et puis quand les gens sont à bord de la station, ils travaillent, mais aussi ils mangent, et puis même ils boivent. Vous avez là des échantillons de nourriture et de boissons. Et si vous regardez bien, vous verrez qu'il y a même de la vodka, ce qui n'est absolument pas permis, mais il y en a. Et du cognac. Bon. Les vols habités, ça continue dans l'espace proche, à court terme. C'est à peu près tout ce qui va se passer, c'est-à-dire envoyer des gens dans la station spatiale internationale. Et pour les occuper, de temps en temps, on organise, comme ce mercredi à 13h, une petite communication téléphonique avec les enfants de Florence qui participent au stage. Donc ça leur donne un peu d'occupation. Ça n'ira pas plus loin pour le moment, puisque le seul endroit où on puisse aller, c'est la station spatiale, avec les fusées russes qu'il faut acheter. Plus tard, il y aura peut-être d'autres engins qui permettront de faire ça. Il y a, je vous l'ai dit tout à l'heure, SpaceX et Orbital Science, qui sont deux sociétés privées, qui sont en concurrence pour fournir des moyens de lancement humains aux Américains. Ce que je ne sais pas, c'est ce qui se passera le jour où il y aura un échec, comme il y en a eu avec la navette, c'est-à-dire où une société privée enverra des gens dans l'espace, et puis ils auront le mauvais goût d'exploser en vol ou quelque chose comme ça. Ça risque de mettre un peu de chahut dans le business. Hein. Enfin, on y croit ou pas. Et puis, il y a le tourisme spatial qui se développe aussi. On offre, pour des sommes qui sont assez rondelettes, la possibilité à des gens d'aller faire un vol, soit en orbite, c'est pas encore possible, mais on vous jure que ça le sera un jour ou l'autre, ou alors simplement des vols suborbitaux, comme l'avait fait Shepard il y a 50 et quelques années. Et puis, il y a eu même des touristes américains ou autres qui ont volé sur la station spatiale internationale. Ici, c'est une femme d'affaires irano-américaine. Bon, c'est pareil. On peut se poser la question de l'intérêt de toutes ces choses-là. Alors, pour aller plus loin, il faut aller retourner sur la Lune, ce qui a déjà été fait. Bon, c'est d'un intérêt moyen. Ou alors, il faut aller sur Mars. Et comme on n'est pas prêt d'y retourner pour l'instant, on s'entraîne pour le faire. Donc il y a eu des expériences qui sont faites, et en particulier comme la Lune, c'est un voyage qui dure quelques jours, aller-retour.
Pour aller sur Mars, il faut 9 mois, et il faut 9 mois pour revenir, et puis il faut rester un petit peu de temps là-haut. Donc 500 jours est une durée à peu près réaliste, et il y a eu une expérience qui s'appelait Mars 500, et qui était destinée à vérifier que si on enferme des gens pendant 500 jours dans des conditions de promiscuité et de confinement qui sont celles d'une sonde envoyée vers Mars, ils vont revenir, ils ne vont pas s'entretuer pendant toute cette période. Donc ça a été fait en Russie, il y avait eu un équipage d'une dizaine de personnes, dont un Français je crois, qui était enfermé pendant 500 jours, et puis au milieu du séjour, ils ont eu le droit de sortir dans un petit jardin qui simulait l'environnement martien, ils ont fait semblant de poser des expériences, comme s'ils étaient sur Mars, et puis ils ont fait leur rentrée dans le véhicule et sont venus. Donc tout ça, ça a duré 500 jours, et il paraît qu'ils étaient encore copains à la sortie. Bon, et puis il y a d'autres expériences qui sont faites dans des stations en Antarctique où les gens sont aussi confinés et ne peuvent pas sortir très longtemps. Bon, et puis c'était un équipage, ces 10 personnes-là, très plurinationales, des gens chinois, français, des américains, toutes sortes de gens. Bon, alors qu'est-ce qu'on a appris de tout ça? Alors je vais vous faire juste une petite récréation scientifique, pas trop longtemps quand même. C'est tard, hein, dimanche soir. Donc on a appris beaucoup de choses sur les planètes telluriques. Mercure, pas énormément, il n'y a eu que deux missions, une mission NASA Mariner 10 et une mission Messenger, avec une image qui a été prise, la première image de Mercure, en 2011 seulement. C'est pas très commode d'aller sur Mercure, c'est très près du Soleil, il fait très chaud, ça donne pas l'impression d'être très très intéressant, donc ça n'a pas attiré beaucoup de monde. Il y aura une mission qui est une coopération euro-japonaise, pardon, qui sera lancée l'année prochaine, BepiColombo, Colombo, et on verra ce qu'on en apprendra. Vénus, ça a été très longtemps la spécialité des Russes. Ils ont envoyé des radars pour cartographier la surface de Vénus assez tôt, parce que la surface est entièrement couverte de nuages. Il fait là aussi extrêmement chaud sur Vénus. On voit les engins qui sont posés à la surface ont en général fonctionné quelques minutes, pas beaucoup plus, et après ça, ils sont morts. Il y a eu un projet de faire lancer un ballon, c'est encore une idée du célèbre professeur Blamont, un ballon sur Vénus, le ballon Vega. Il devait y avoir deux sondes qui devaient partir à très peu de temps d'intervalle avec deux ballons. Et puis le seul ballon qui est, c'est celui qui est dans le musée de l'espace à Moscou, que j'ai photographié là. Mais ça n'a jamais volé, ça n'a jamais été. La Terre, je peux quand même difficilement m'empêcher de vous parler un peu de la Terre. Donc cette image-là est bien connue, c'est une image fondatrice, celle pour la première fois où on a pris conscience peut-être de la Terre dans l'univers comme un espèce d'objet totalement unique avec sa couleur, l'eau qu'elle recèle, en tout cas unique dans le système solaire, l'eau qui lui permet la vie et puis qui a été observée aussi sur une espèce de lever de lune là, depuis la sonde japonaise Kaguya. Bon, et puis la Terre, c'est d'abord l'océan. Les planètes géantes, Jupiter, tout le monde connaît ces images de la tache rouge et puis des différents anneaux qu'on voit à sa surface, qui sont la signature de phénomènes météorologiques massifs. Des satellites de ces grandes planètes gazeuses, Europe, qui est le plus petit des satellites, qui a été découvert, c'est un des satellites galiléens, découvert donc en 1610. Il y a une mince atmosphère d'oxygène, et puis sous cette surface glacée, il y a peut-être un océan d'eau liquide. Donc on aimerait bien y aller voir, mais ça prendra du temps avant de pouvoir y retourner. J'ai eu la chance en 1989 d'être invité par la NASA à assister au passage de la sonde Voyager 2 qui avait été redirigée au voisinage de Neptune, ce qu'ils appelaient Neptune Flyby. Et j'ai photographié, là, on voit des scientifiques français qui étaient en train d'observer sur des écrans qui ne sont pas tout à fait ceux qu'on a aujourd'hui, en 89, la découverte de nouveaux satellites de Neptune qui sont apparus sur les écrans. Et on dit, tiens, ceux-là, on ne les connaissait pas. C'est assez amusant, la découverte en temps réel. Bon, Saturne, et puis le satellite Titan, qui était la vedette, disons, de cette mission avec la sonde Huygens, qui a été fabriquée par l'Europe, et qui s'est posée à la surface de Titan, avec une relativement lente descente sous parachute.
Et c'est une planète, enfin c'est un corps plutôt très intéressant, ce satellite Titan. Il a une surface couverte de glace d'eau, il y a une pluie de méthane, il y a des pierres un peu bizarres à la surface. Et l'Europe a voulu faire un peu de démonstration sur une animation qui montre un peu ce titanissage, cet atterrissage sur Titan de ce module Huygens, qui a pu prendre des images tout le long de la descente et puis pendant un moment aussi, une fois posé à la surface. Bon, ça manque un peu d'action, hein. Mais bon, c'est intéressant, on voit ça, ça nous plaisait beaucoup. Et puis, l'animation continue, ça recommence. Donc je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais on voit deux ou trois fois à peu de choses près la même chose. Donc il y a des progrès à faire en matière d'animation, on verra plus tard. Il y a eu beaucoup d'autres objets qui ont été observés par Cassini. Alors je n'ai pas la faconde d'André Braik qui présente toujours ce genre d'image avec beaucoup plus de talent. Je ne peux le faire, je me contente de vous les montrer. Vous avez déjà vu sans doute Encelade avec des geysers d'eau glacée qui semblent être contrôlés un peu par la gravité de Saturne. Un drôle d'objet qui s'appelle Hyperion, qui ressemble à une drôle d'éponge, un peu bizarre. On ne connaît aucun exemple de celui-là. On a été voir des comètes, on a envoyé des sondes au voisinage de comètes, on a vu des noyaux cométaires qui ont des formes très très variées, des tailles très variées. La comète de Halley, qui a été visitée par Giotto en 86, c'était un très grand succès européen. D'autres, Stardust, Deep Impact, etc. Après d'autres comètes. Et la prochaine aventure de ce genre sera Rosetta, qui sera lancée l'année prochaine, qui arrivera l'année prochaine au voisinage de la comète Churyumov-Gerasimenko en 2014 et qui doit déposer un petit laboratoire à la surface, le laboratoire Philae, qui va analyser le sol de cette comète, qui n'était pas celle qui était prévue à l'origine, mais il a fallu reconfigurer la mission. La comète qui était visée au départ a eu le mauvais goût d'aller brûler dans le soleil. Voilà. Alors, le chef de projet, qui est la personne qui connaît le mieux cet engin, Rosetta, on le garde bien au chaud, là, parce qu'on aura beaucoup besoin de lui l'année prochaine, quand on y sera. Et puis, on a visité des astéroïdes. On a vu tout à l'heure l'histoire de Hayabusa. Les astéroïdes, c'est une série de petits objets qui sont répartis quelque part entre les orbites de Mars et de Jupiter. Mais ils nous intéressent particulièrement depuis pas mal d'années parce qu'on s'est rendu compte qu'un certain nombre d'entre eux, et plus on les observe, plus on en découvre. Donc si on compare la carte des astéroïdes connus il y a quelques années et celle qu'on a maintenant, on s'aperçoit qu'on en a découvert énormément. Et de sorte qu'on s'inquiète un peu de ceux qui ont une certaine orbite, qui croisent la Terre, on appelle ça des géocroiseurs, et qui pourraient éventuellement rentrer en collision avec la Terre. C'est des choses qui se sont produites sûrement dans le passé de la Terre. Et donc c'est très intéressant, ça donne l'occasion à beaucoup de cinéastes d'écrire des scénarios de films, Armageddon, Mélancolia et tout ça, dans lesquels il y a des catastrophes terribles avec des astéroïdes. Bon, puisqu'on parle de planètes, on peut toujours dire un mot des planètes extrasolaires. Là, on sort du système solaire, mais c'est très à la mode, puisque depuis 1995, les deux astronomes suisses, Mayor et Queloz, ont découvert ces planètes extrasolaires en utilisant à partir du sol des méthodes qui sont décrites vaguement ici. Une méthode qui utilise l'effet Doppler, parce que quand une étoile et une planète forment un couple avec la planète en rotation autour du Soleil, en réalité, la rotation se fait autour du centre de gravité du système de ces deux objets. Et du coup, quand on observe ça à distance, à certains moments, le Soleil en question se rapproche et donc on voit un décalage de sa lumière vers le bleu par l'effet Doppler, et puis à d'autres moments, un peu plus tard, il y a un décalage vers le rouge. Et en observant la période de ce truc-là, on peut connaître la période orbitale de l'ensemble du système. Et puis il y a une autre méthode, la méthode des transits. On observe une étoile lointaine. S'il y a une planète qui passe devant, elle va faire un petit peu d'ombre, elle va réduire un tout petit peu l'intensité pendant un court moment, et puis ça permet de connaître l'existence d'un objet, éventuellement, d'autres informations sur le temps son temps de rotation, etc. Actuellement, alors que la première a été découverte qu'en 1995, on en est déjà à plus de 900 exoplanètes, et un certain nombre d'entre elles ont été découvertes par des satellites. Un Français,
Corot, et un autre américain, Kepler. Ils ont eu la malchance de s'arrêter de fonctionner presque en même temps. En novembre 2012, Corot s'est arrêté. Il a découvert 32 exoplanètes. Alors, on les appelle découvertes quand elles ont été vues par un satellite et qu'elles ont été confirmées par d'autres observations, notamment par des observations au sol. Alors, il y a 100 autres planètes, exoplanètes découvertes par Corot qui sont en cours de vérification. Côté américain, on est un ordre de grandeur au-dessus. Le satellite Kepler a été lancé en 2011. Il est plus performant que Corot, qui était vraiment un petit satellite. Il a trouvé 3277 exoplanètes. Il y en a 135 confirmées, mais il est en panne depuis le mois de mars. Mais il n'est pas encore considéré comme perdu. Alors jusqu'ici, j'ai parlé de beaucoup de choses, sauf de la Lune et de Mars. On va en dire deux mots. Faut-il retourner sur la Lune ? Alors, quand les Américains ont été exposés sur la Lune, ils n'ont pas posé le drapeau de la Terre, ils ont posé le drapeau américain. Comme ça, c'était bien clair. Et puis, on voit ici une image par Lunar Reconnaissance Orbiter. Alors, aujourd'hui, il n'est plus question de ça. Si des gens retournent sur la Lune, ils vont plus s'amuser à poser un drapeau national. Ce dont il serait question aujourd'hui, puisque les Européens, les Japonais, les Chinois, les Indiens, etc., ont tous fait des expériences en direction de la Lune, que si on veut y apprendre quelque chose de plus, il faut installer peut-être une base lunaire. Alors, une base lunaire internationale, c'est quelque chose qui se conçoit aujourd'hui comme un peu sur le modèle des bases en Antarctique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs bases qui appartiennent chacune à une nation, mais ça forme une espèce de village, et chacun contribue, disons, aux moyens communs, par des moyens communs. Alors, il y a des choses à faire pour comprendre la Lune elle-même, il y a de la science qu'on peut faire depuis la Lune, parce que, par exemple, si on se met sur la face cachée, si on pouvait mettre tous les astronomes sur la face cachée de la Lune, ce serait très bien, eux seraient très contents, et nous aussi. Et eux pourraient observer l'univers sans être gênés par tout le rayonnement parasite. Bon, je suis toujours méchant avec les astronomes, mais il ne faut pas m'en vouloir. Et puis on peut faire de la science aussi sur la Lune en utilisant les propriétés de microgravité partielle qui y règnent. Alors pour construire une base lunaire, c'est pas très évident. Si on doit transporter des briques et du ciment, c'est pas très facile. Il y a des gens, et là encore le professeur Blamont, qui a eu l'idée d'utiliser des tubes de lave comme un habitat possible, moyennant un certain habillage, pour les futurs explorateurs lunaires, pour faire une base de ce genre. Vous savez tous ce que c'est que des tubes de lave ? Mars, alors à l'inverse de Vénus, nous sommes dans une position où la Terre a une température très confortable, très convenable. Vénus est extrêmement chaude, il y a un effet de serre effroyable. Et par contre, sur Mars, il fait extrêmement froid. Et c'est surtout un endroit où il est très, très difficile d'aller et de se poser. La fenêtre de tir est favorable tous les 26 mois, un peu plus de 2 ans, donc on ne peut pas envoyer n'importe quand. Le meilleur créneau se trouve tous les 15 ans. Et à chaque étape, se mettre en orbite autour de Mars, circulariser l'orbite, descendre dans l'atmosphère, se poser, tout ça c'est très complexe, il y a eu énormément d'échecs. Sur 41 missions envoyées vers Mars, il y en a 22 qui ont échoué. Et les Russes ont la palme de ce côté-là. Ils n'ont pratiquement jamais réussi à poser correctement un engin sur Mars. Alors, les premières grandes tentatives de découvrir une vie éventuelle ou des formes de vie, ou mettre en évidence la possibilité d'une vie sur Mars ont eu lieu en 1975 avec les sondes Viking 1 et 2. Et ça avait beau être vu pour le grand public comme un succès extraordinaire, ça a été considéré comme un échec parce qu'en fait on n'a pas pu démontrer s'il y avait oui ou non ou de la vie ou de la possibilité de vie sur Terre. Toutes les expériences qui ont eu lieu ont donné des résultats indécidables. Et du coup, il ne s'est plus rien passé en direction de Mars du côté américain pendant très très longtemps. Bon, alors, plus récemment, il y a eu donc toute une série d'échecs, les missions Phobos, ensuite Phobos Grunt qui a encore raté récemment. Les Européens voulaient faire une mission ExoMars en 2016-2018 pour démontrer qu'on est capable de poser un engin sur le sol martien, et pour ça on s'était en Europe mis d'accord avec la NASA. On avait prévu d'utiliser ensemble toutes les fenêtres de tir vers Mars. Mais aux États-Unis, il y a eu des coupures budgétaires et la NASA a envoyé un jour une lettre à l'ESA en disant « Désolé, mais on se retire. » En 2012. Et puis plus tard, on envisage, après 2020, le retour d'échantillons martiens. Alors qu'est-ce qui va pouvoir se faire ? Ben, on va voir. Pour le moment,
cette mission européenne ExoMars est devenue une coopération entre l'ESA et l'agence spatiale russe Roscosmos. Il y a eu un accord signé au mois de mars ici entre Jean-Jacques Dordain, le directeur général, et Vladimir Popovkin, avec un certain partage de responsabilités. Les Russes fourniront les lanceurs, le module d'atterrissage du rover en 2018, et puis les Européens vont fournir un instrument qui veut faire de la télédétection de certains gaz dans l'atmosphère martienne, qui seraient des signatures de certains processus biogéniques ou géologiques actifs, et puis un module de démonstration de descente, d'entrée et d'atterrissage. Côté NASA, ça reste simplement un partenaire technologique qui nous donnera des indications. Tout le monde a assisté aux équipés des véhicules, des robots américains qui ont été montrés il y a quelques années, je me dépêche. Il y a eu d'abord Sojourner, qui était un tout petit objet, puis il y a eu Spirit et Opportunity, qui ont duré un temps fou par rapport à ce qui était prévu. Et puis, depuis le mois d'août de l'année dernière, il y a tout juste un an, le robot Curiosity, qui avec cette fois transporte 75 kg de matériel et des laboratoires et puis un système. Alors tout ça vous sera exposé en long, large et travers et bien plus de détails de qualité que je ne pourrais le faire par Pierre Thomas dans sa conférence jeudi. Je vais quand même vous montrer quelques images qui montrent un peu la façon dont la NASA est capable de mettre en scène ses réalisations scientifiques, parce que ce qui permet à la NASA d'obtenir les budgets dont elle a besoin, c'est la mise en valeur de ses exploits ou de ses réalisations. Donc ici, en haut à droite, vous avez le chef du projet de module d'entrée, on dirait Elvis Presley, mais c'est une ressemblance assez étonnante. Alors voilà, par comparaison au petit film de tout à l'heure, à quoi ressemblait le petit film de démonstration de ce qu'allait être les 7 minutes terribles de la descente de robot Curiosity sur Mars par la NASA. Ça dure une minute, c'est pas très long, mais ça a une musique d'ambiance, il y a de l'action. Le parachute qui se déploie, le bouclier qui se déploie. Qui se déploie avec son système de parachute qui s'ouvre, et puis la plateforme porteuse qui est éjectée pour aller s'écraser ailleurs. Voilà, et puis ensuite le robot qui commence à faire son exploration. On va gagner 30 secondes. Alors, quand le rover s'est posé aux États-Unis, à New York, tout le monde s'est mis à crier dans les rues « Science, 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 NASA, NASA, etc. » En Californie, dans des universités, il y avait des rassemblements de toutes sortes de gens. En temps réel, et puis même en France et partout ailleurs, hein, en temps réel, ces images ont été montrées du déploiement du parachute, pratiquement, enfin en temps réel, avec le temps de transmission des images depuis Mars jusqu'à la Terre, par une caméra qui était à bord de l'orbiteur, Mars Reconnaissance Orbiter, qui pouvait surveiller ce qui se passait depuis son orbite. Ensuite, on a une image prise par la caméra à bord du laboratoire lui-même, du bouclier thermique au moment où il est éjecté, on l'a vu là tout à l'heure sur l'écran. Il y a une présentation de ce qu'ils appellent la scène du crime. C'est-à-dire on voit toute la zone qui a été couverte par les différents objets. Vous avez le parachute, on voit le bouclier thermique, on voit le Curiosity qui s'est posé là au milieu. Et il s'est posé à quelques centaines de mètres de l'endroit qui était exactement visé. Donc c'est vraiment une performance absolument stupéfiante. Le panorama martien vu depuis la caméra à bord du robot, et puis une image couleur qui est une mosaïque en fait de plein d'images du cratère qui entoure. On a aussi des images, tout ça, ça a été montré dans les heures qui suivaient l'atterrissage, lorsque les rétrofusées ont envoyé des gaz qui atteignaient la surface, ça a nettoyé une partie de la surface de la poussière et ça met en évidence des roches, et tout ça a été immédiatement commenté et montré. Donc aussitôt après aussi, le conseiller scientifique du président, John Holdren,
donne un discours. On a l'administrateur de la NASA, Charlie Bolden, le directeur du JPL, Charles Lachy, qui a fait ses études à Grenoble. Puis une conversation entre le président américain à bord de son avion Air Force One et puis l'équipe du Jet Propulsion Laboratory. Voilà, donc ça c'est de la mise en scène. Vous voyez comment la NASA réussit à acquérir l'attention et la complicité du public en mettant bien en évidence la qualité de ses succès. Ça n'a pas toujours été comme ça. Bon, côté européen, on a eu un beau succès avec Mars Express. La mission qui s'était appelée Mars 94, Mars 96, qui embarquait des instruments européens, était partie au fond de l'océan Pacifique. C'est un des 22 échecs russes, notamment. Et donc, l'Europe avait construit une sonde très très rapidement, en très peu de temps, et ça a été lancé en juin 2003. Et là, il y a eu une mission en orbite martienne qui a eu des résultats très intéressants, notamment la présence de glace et d'argile qui prouve la présence ancienne d'eau sur Mars. Par contre, les Anglais, bien fait pour eux, avaient fabriqué un atterrisseur qui n'a transmis aucun signal. Alors, envoyer l'homme sur Mars, c'est la prochaine grande étape dont on pourrait rêver si on a l'esprit tourné vers ce genre de choses. C'est très compliqué. Il y a des scénarios qui essayent de montrer comment on peut y arriver en envoyant avec 9 fusées différentes. Tout ça doit fonctionner à merveille. La comparaison qu'il faut avoir à l'esprit, c'est celle-ci. Si vous voulez aller sur Mars par rapport à aller sur la Lune, ça équivaut à traverser l'Atlantique à la nage par rapport à traverser la Seine. En gros, c'est le même genre de ratio. Donc vous voyez, c'est deux choses totalement différentes. Aller sur Mars, c'est aujourd'hui quelque chose qui est considéré comme pratiquement hors de portée pour les pas mal d'années à venir, indépendamment des aspects économiques. Et sur le plan du risque que ça représente, à chaque étape, que ce soit, comme je vous l'ai dit, la circulation, la mise en orbite, l'atterrissage, récupérer les gens, et puis s'il y a une éruption solaire au milieu, les risques fatals sont très 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 importants. Alors, voyons un peu vers le futur, et puis on s'arrête là. Quel avenir pour l'exploration planétaire? Il y a toutes sortes de motivations, j'en ai listé un certain nombre ici. Naturellement, à la base, il y a pour les scientifiques la curiosité, la soif de connaissances, qui sont la raison principale d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Il y a des gens qui songent à la sauvegarde de l'espèce humaine, peut-être qu'en élargissant les espaces sur lesquels nous pouvons établir notre espèce, on pourrait faire face à d'éventuelles catastrophes dans l'avenir, comme on en prépare pas mal déjà. C'est aussi quelque chose qui est un objet de coopération mondiale. Si on essaye de trouver des sujets sur lesquels on peut faire coopérer tous les pays du monde, l'exploration spatiale, c'est un domaine de choix. Quand on fait ce genre de choses, on fait beaucoup de recherche et développement, il y a beaucoup de retombées technologiques qui sont utilisables pour toute autre chose que l'exploration spatiale, pour la médecine, pour ça a un intérêt de ce qu'ils appellent le spin-off aux États-Unis, toutes ces retombées technologiques pour l'ensemble de la société. Ça a un intérêt aussi du point de vue de la formation et l'éducation à la science, et ça je ne vous l'apprendrai pas ici. Tous les jeunes qui assistent et qui prennent part à ces activités, qui sont ensuite partie prenante des expériences, qui assistent à ce qui se passe, qui prennent connaissance des résultats, qui passent leur nuit à écouter et à regarder les émissions, les retransmissions, qui s'intéressent à tout ça, c'est extrêmement formateur et ça contribue à créer de nouvelles générations de jeunes chercheurs, et c'est absolument essentiel. Il y a toujours dans toutes ces affaires-là des objectifs militaires et de défense, j'en ai pas trop parlé, mais c'est forcément en arrière-plan de tout ce qui est spatial. Il y a d'autres questions de prestige, de fierté nationale. C'était manifeste dans les premières années, mais c'est aussi manifeste dans le cas des Indiens ou des Chinois. Et c'est évident aussi dans beaucoup de pays qui tiennent à tout prix à avoir leur satellite avec leur drapeau dessus pour montrer qu'eux aussi participent à cet engagement. Il y a d'autres aspects encore, l'exploitation des investissements. Une fois que vous avez mis en place d'énormes installations pour tester tous ces engins, pour les secouer, les agiter, leur faire faire des expériences de résistance aux thermiques ou électriques, ou tout ce qu'on voudra, ben il faut essayer de les amortir. Alors il y a toujours une pression pour continuer une fois qu'on a investi
dans tous ces domaines-là. On a formé aussi des quantités d'ingénieurs, et chaque fois que la NASA, avec des coupures budgétaires, était obligée de licencier 10 000 ou 15 000 ingénieurs, c'était toujours une catastrophe. Bon, et puis il y a des idées plus fondamentales, la recherche de l'origine de la vie, l'histoire de la colonisation de l'univers. Un petit mot sur ce qu'on appelle la géo-ingénierie spatiale. Il y a deux sortes de choses. Il y a la géo-ingénierie qui s'intéresse à la Terre, proprement dite, comme son nom l'indique, géo-ingénierie. C'est des gens qui disent, bon, on a accidentellement modifié le climat, on ne savait pas, on n'a pas fait exprès, mais maintenant, on va remodifier le climat en sens inverse, on va faire un certain nombre d'expériences qui vont modifier le climat de la Terre et le ramener à plus proche de ce qu'il était avant qu'on ait balancé beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. Ça, c'est une folie absolue, et il faut s'y opposer par tous les moyens. Il y a d'autres idées un peu dans le même genre qui s'appliquent à d'autres planètes. Des gens ont dit, et même des scientifiques de très haut niveau comme Carl Sagan, on pourrait modifier d'autres planètes dans le système solaire, Mars, et les rendre habitables, donc les transformer pour les rendre plus proches de la Terre, ce qu'ils appellent la terraformation. Bon, c'est des spéculations, il y a des ingénieurs et des savants fous qui travaillent sur ces choses-là, mais c'est sans portée pratique. Le temps qu'il faut pour modifier la composition de l'atmosphère martienne, etc., pour les rendre plus proches, sans parler du coût, ça se chiffre en dizaines, si ce n'est centaines de milliers d'années. Donc il faut arrêter de dire des bêtises. Et puis il y a d'autres idées qui sont un peu importantes. Je vous ai parlé des collisions, de risques collisions avec les astéroïdes. Aujourd'hui, on a des gens qui calculent en permanence les orbites et qui essayent d'extrapoler dans le futur le risque de certaines collisions. Par exemple, il y a le petit engin qui est entouré en rouge, là, par un petit rond, le petit point blanc, s'appelle Apophis et il passera pas très loin de la Terre en avril 2029 et 2036. Je ne sais pas si j'y serai. Bon, un autre problème important pour l'avenir, c'est le fait que les ressources budgétaires sont plus qu'elles étaient, vous avez peut-être remarqué. Si vous regardez ici un diagramme qui vous montre l'évolution du budget de la NASA en millions de dollars, en valeur constante pour 2004, depuis 1959 jusqu'à 2009. Vous voyez qu'à une époque, et c'est l'époque du programme Apollo, on est en pointe ici, on atteint 25 milliards de dollars, alors que maintenant on est retombé aux alentours d'une quinzaine de milliards de dollars, et c'est resté stable depuis, et ça ne bouge plus. Mais à cette époque-là, ça représentait 4% du budget fédéral en 1965, aujourd'hui c'est 0,5% du budget fédéral. Donc c'est 8 fois moins en proportion de l'ensemble du budget américain. Et si vous regardez le diagramme qui est en bas à gauche, vous avez les différentes catégories de recherche qui sont dépensées aux États-Unis dans les budgets de R&D, de recherche et développement. Le principal budget de très loin aujourd'hui, c'est la zone grise qui est sur le dessus, c'est la santé. C'est à ça qu'on consacre l'essentiel de l'argent de recherche. Par contre, le spatial, qui était la plus grosse partie noire sur la gauche ici, devient maintenant une partie nettement plus modeste, très significative, mais nettement plus modeste, comparable à ce qui est consacré à la science fondamentale ou à l'ensemble d'autres de recherches. Donc ça, c'est quelque chose qui est irréversible. On ne reviendra jamais vers l'âge d'or du spatial dans lequel des présidents américains pouvaient se dire « on va claquer ». 4% de notre budget, mais il faut à tout prix qu'on montre qu'on a les meilleurs. Voilà. Ceci étant, les 90% de la dépense spatiale mondiale, c'est 10 pays, c'est les 10 principaux pays. Bon, ben, je crois que j'ai à peu près fait le tour de mon exposé. J'en suis à la diapo 78, il n'en reste plus que deux. Jusqu'en 85, pour l'essentiel, le ressort principal de l'exploration spatiale, c'est un peu les messages à retenir de tout ce que je vous ai raconté, le ressort principal c'était la politique. Sauf Pioneer et Voyager, qui étaient des missions d'exploration où on a envoyé soit vers les planètes géantes, soit pour jusqu'à l'extérieur du système solaire, des missions relativement modestes, très scientifiques. Mais sinon, pour l'essentiel, c'est la politique qui dirigeait, qui pilotait. Vers 85 et jusqu'au milieu des années 2000, il y a peu d'années maintenant, c'est surtout la coopération internationale qui s'est imposée, le conflit, l'affrontement sur le terrain de jeu spatial a commencé
à se réduire et la science est devenue l'élément d'orientation principale. Sauf, mais ce n'est pas une exception minuscule, la station spatiale internationale puisqu'elle capture la plupart des budgets. Aujourd'hui, on passe maintenant à non plus une coopération bilatérale, mais une coopération multilatérale, mondiale, sauf dans le domaine qui reste concurrentiel, c'est-à-dire celui du transport spatial, des lanceurs, et on envisage de mettre en place des stratégies globales, mondiales d'exploration pour l'avenir, pour la Lune, pour Mars. En Europe, on a un budget spatial qui est 6 fois moins que celui des États-Unis. On a 2 grands projets considérés comme les projets phares, les vaisseaux amiraux de la politique spatiale de l'Union européenne. C'est un projet qui concerne surtout un GPS européen, Galileo, et un projet qui concerne l'observation de la Terre, l'environnement, la sécurité, c'est GMES. C'est rien qui soit consacré à l'exploration proprement dite, c'est surtout des applications. Mais il n'y a pas du tout de vraie vision, pas de vraie volonté en Europe, et c'est un peu dommage. Si on regarde les chiffres et qu'on les ramène à la population européenne, le programme d'exploration européen coûte 1 euro par habitant et par an. Donc c'est quand même pas encore la mort du petit cheval. Voilà, quelques jolies phrases en conclusion. Une de Carl Sagan, nous sommes comme des papillons qui battent des ailes pendant un jour en pensant que c'est l'éternité. Une petite citation de Dante, et puis une citation d'un poète américain, Archibald MacLeish, qui date de l'époque d'Apollo, qui parle du fait que, vu de l'espace, on s'aperçoit quand même un peu plus qu'on est tous les passagers d'un seul et unique vaisseau, la Terre. Et j'ai pêché sur Internet, 2 images de la Terre et de la Lune qui ont été prises il y a quelques jours, le 19 juillet, par 2 sondes, d'une Cassini qui se trouve derrière Saturne et l'autre Messenger qui se trouve autour de Mercure. Donc deux visions complètement opposées de la Terre et de la Lune, vues par ces 2 sondes qui ont été lancées depuis notre planète. Alors c'est pas toujours facile. Alors la Lune, ici c'est le petit point qui est là-haut, là. Ça, c'est la Terre, ça, là-haut. Et puis là, c'est un peu plus clairement visible. Regarder la Terre depuis Saturne, c'est pas toujours facile, parce que c'est dans la direction du Soleil, donc la sonde, voilà, là, on y voit un petit peu plus clair, si on veut. La lumière du Soleil aveugle les détecteurs, donc on le fait pas. Mais il y a une certaine configuration dans laquelle le Soleil se trouve caché derrière Saturne, et par chance, la Terre se trouve suffisamment à l'écart pour qu'on puisse la voir. Voilà, donc nous avons une planète et il vaut mieux en profiter. Merci. Alors, première question, le statut juridique. Il y a un comité des Nations Unies qui s'appelle le COPUOS, qui s'occupe de l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique, ça s'appelle comme ça, et qui se réunit à des bureaux à Vienne, et qui se réunit chaque année avec des comités scientifiques et techniques, des comités légaux, etc., etc. Donc il y a tout un tas de règles qui ont été mises en œuvre par ce comité sous l'égide des Nations Unies, et qui disent ce qu'on a le droit ou ce qu'on n'a pas le droit de faire. Mais il n'y a aucune police qui puisse appliquer cette règle. Par exemple, il est dit qu'on ne doit pas faire exploser de satellites dans l'espace volontairement. Les Américains et les Chinois l'ont fait, impunément. À part prendre l'air consterné dans les réunions internationales, on ne peut rien faire de plus. Le COSPAR, le comité dont je suis responsable, a de son côté une fonction d'édicter des recommandations dans le domaine de la protection planétaire. Alors on a un comité qui a étudié la question de savoir comment on doit s'y prendre, si on doit lancer des objets sur une autre planète, si on doit ramener des choses, quelles précautions on doit prendre. Et toute mission doit suivre ces directives, doit en principe se conformer à ces directives. Et jusqu'à présent, pour l'essentiel, les pays en tiennent le plus grand compte. Mais là non plus, il n'existe aucune police qui puisse les obliger à le faire. Récemment, du temps de l'expérience Phobos Ground, les Chinois devaient poser une espèce de petite capsule contenant des échantillons biologiques sur Phobos. Et le comité du COSPAR chargé de la protection planétaire
a demandé aux Russes de pouvoir procéder à des expertises sur les précautions qu'ils prendraient pour éviter éventuellement d'aller polluer ce satellite de Mars. Donc c'est quelque chose qui fonctionne, mais ce n'est pas d'un grand intérêt pour le grand public. Mais ça fonctionne. Maintenant, avec la privatisation de l'espace, personne ne sait ce qui peut arriver. D'autres questions ? Alors, deuxième question, c'était l'aspirateur des bris spatiaux. Oui, alors, bon, il y a des études techniques qui sont faites pour aller essayer de capturer des objets dans l'espace qui nous embêtent et qu'on aimerait débarrasser parce qu'ils représentent un danger pour d'autres engins. Ça coûte extraordinairement cher. Ça coûte même encore plus cher que de lancer un satellite. Donc, il y a des recommandations qui sont faites, là aussi, par toutes sortes de comités pour que toutes les dispositions soient prises avant le lancement d'un satellite pour s'assurer de la capacité à en disposer proprement une fois qu'il aura atteint sa fin de vie. Mais je ne suis pas d'un optimisme excessif sur les chances que ça fonctionne. C'est très coûteux. D'autres questions ? Oui. Mais c'est sûr que c'est très sérieux. Le titre de la conférence était « Les rapports entre l'exploration spatiale, la science et la politique ». Oui. Bon. Vous avez montré les enjeux politiques, en particulier dans la guerre froide entre les Russes et les Américains. Et puis aussi le désir de nations émergentes ou de continents, comme l'Union européenne, de montrer leur présence dans cette conquête. Il y a eu un article il y a un an dans Le Monde qui était intitulé « L'exploration spatiale comme antidote à la crise ». C'est-à-dire que dans la crise économique actuelle, il y a une dimension financière, mais il y a aussi une dimension de pessimisme ambiant qui augmente la crise. Mmh. Bon, ça a été mesuré par des sondages, etc. Et donc, cet article du Monde essayait de montrer qu'un projet commun mondial pouvait rassembler les intentions. Ça renvoie aussi à l'utilisation du vocabulaire pour nommer les différents projets de Pacifique, etc. Oui. Et cela pouvait avoir, alors bien sûr, une utilité de formation, comme vous l'avez signalé, mais aussi un encouragement pour... qu'est-ce que vous pensez de cette dimension ? Je l'ai mentionné, entre autres, trouver un objet de coopération mondiale qui redonne un petit peu d'optimisme, un petit peu de confiance dans l'avenir. C'est vrai que le spatial reste aujourd'hui quelque chose qui est capable de susciter un certain enthousiasme, aussi bien chez les jeunes que chez les moins jeunes. Et ça reste quelque chose qui attire l'attention. On connaît peu d'exemples comparables à ce que je vous ai montré pour Curiosity, par exemple, qui soit capable de drainer autant de gens, autant d'intérêts, ou avant ça, les plus petits robots. Ça reste quelque chose qui excite l'imagination des gens et qui est susceptible d'avoir un effet positif, un effet d'entraînement dans une situation où on est plutôt enclin à un certain pessimisme, même s'il y a de bonnes raisons pour ça. Voilà. Mais bon, ça fait partie effectivement aussi du contexte science politique et l'interaction entre ces deux choses-là. Society that stops exploring is a society that stops progressing. This program is the bridge to the future for humans.